Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons commencer une nouvelle histoire des contes des mille et une nuits qui s'appelle Histoire des princes Amjiad et Assad. Cette histoire sera contée en trois parties différentes. Voici donc la première partie. Très bonne écoute. Les deux princes furent élevés avec grand soin, et lorsqu'ils furent en âge, ils n'eurent que le même gouverneur, les mêmes précepteurs dans les sciences et dans les beaux-arts, que le roi Kamaralzaman voulut qu'on leur enseignât, et que le même maître dans chaque exercice. La forte amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre dès leur enfance avait donné lieu à cette uniformité qui l'augmenta davantage. En effet, lorsqu'ils furent en âge d'avoir chacun une maison séparée, ils étaient unis si étroitement qu'ils supplièrent le roi Kamaralzaman, leur père, de leur en accorder une seule pour tous les deux. Ils l'obtinrent, et ainsi ils eurent les mêmes officiers, les mêmes domestiques, les mêmes équipages, le même appartement et la même table. Insensiblement, Kamaralzaman avait pris une si grande confiance en leur capacité et en leur droiture que, lorsqu'ils eurent atteint l'âge de 18 à 20 ans, il ne faisait pas difficulté de les charger du soin de présider au conseil, alternativement, toutes les fois qu'ils faisaient des parties de chasse de plusieurs jours. Comme les deux princes étaient également beaux et bien faits, dès leur enfance, les deux jeunes reines avaient conçu pour eux une tendresse incroyable, de manière néanmoins que la princesse Badour avait plus de penchant pour Assad, fils de la reine Ayatalnefous, que pour Amjiad, son propre fils, et que la reine Ayatalnefous en avait plus pour Amjiad que pour Assad, qui était le sien. Les reines ne prirent d'abord ce penchant que pour une amitié qui procédait de l'excès de celles qu'elles conservaient toujours l'une pour l'autre. Mais, à mesure que les princes avancèrent en âge, elle se tourna peu à peu en une forte inclination, et cette inclination, enfin, en un amour des plus violents, lorsqu'ils parurent à leurs yeux avec des grâces qui achevaient de les aveugler. Toute l'infamie de leur passion leur était connue. Elles firent aussi de grands efforts pour y résister. Mais la familiarité avec laquelle elle les voyait tous les jours et l'habitude de les admirer dès leur enfance, de les louer, de les caresser, dont il n'était plus en leur pouvoir de se défaire, les embrasèrent d'amour à un point qu'elles en perdirent le sommeil, le boire et le manger. Pour leur malheur, et pour le malheur des princes même, les princes, accoutumés à leur manière, n'eurent pas le moindre soupçon de cette flamme détestable. Comme les deux reines ne s'étaient pas fait un secret de leur passion et qu'elles n'avaient pas le front de le déclarer de bouche au prince que chacune aimait en particulier, elles convinrent de s'en expliquer chacune par un billet et, pour l'exécution d'un dessein si pernicieux, elles profitèrent de l'absence du roi Kamaralzaman pour une chasse de 3 ou 4 jours. Le jour du départ du roi, le prince Amjiad présida au conseil et rendit la justice jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi. À la sortie du conseil, comme il rentrait dans le palais, un eunuque le prit en particulier et lui présenta un billet de la part de la reine Ayatalnefous. Amjiad le prit et le lut avec horreur. « Quoi ? Perfide ! » dit-il à l'eunuque en achevant de lire et en tirant le sabre. « Est-ce là la fidélité que tu dois à ton maître et à ton roi ?» En disant ces paroles, il lui trancha la tête. Après cette action, Amjiad, transporté de colère, alla trouver la reine Badour, sa mère, d'un air qui marquait son ressentiment, lui montra le billet et l'informa du contenu, après lui avoir dit de quelle part il venait. Au lieu de l'écouter, la reine Badour se mit en colère elle-même. « Mon fils, reprit-elle,
Ce que vous dites est une calomnie et une imposture. La reine Ayatalnefous est sage, et je vous trouve bien hardi de me parler contre elle avec cette insolence. » Le prince s'emporta contre la reine sa mère à ces paroles. « Vous êtes toutes plus méchantes les unes que les autres, » s'écria-t-il. « Si je n'étais retenue par le respect que je dois au roi mon père, ce jour serait le dernier de la vie d'Ayatalnefous. » La reine Badour pouvait bien juger de l'exemple de son fils Amjiad que le prince Assad, qui n'était pas moins vertueux, ne recevrait pas plus favorablement la déclaration semblable qu'elle avait à lui faire. Cela ne l'empêcha pas de persister dans un dessein si abominable, et elle lui écrivit aussi un billet le lendemain, qu'elle confia à une vieille qui avait entré dans le palais. La vieille prit aussitôt son temps de rendre le billet au prince Assad à la sortie du conseil, où il venait de présider à son tour. Le prince le prit et, en le lisant, il se laissa emporter à la colère si vivement que, sans se donner le temps d'achever, il tira son sabre et punit la vieille comme elle le méritait. Il courut à l'appartement de la reine Ayatalnefous, sa mère, le billet à la main. Il voulut le lui montrer, mais elle ne lui en donna pas le temps, ni même celui de parler. « Je sais ce que vous me voulez, » s'écria-t-elle, « et vous êtes aussi impertinent que votre frère Amjiad. Allez, retirez-vous, et ne paraissez jamais devant moi. » Assad demeura interdit à ces paroles auxquelles il ne s'était pas attendu, et elles le mirent dans un transport dont il fut sur le point de donner des marques funestes. Mais il se retint et se retira sans répliquer, de crainte qu'il ne lui échappât de dire quelque chose d'indigne de sa grandeur d'âme. Comme le prince Amjiad avait eu la retenue de ne rien lui dire du billet qu'il avait reçu le jour d'auparavant, et que ce que la reine sa mère venait de lui dire lui faisait comprendre qu'elle n'était pas moins criminelle que la reine Badour, il alla lui faire un reproche obligeant de sa discrétion et mêler sa douleur avec la sienne. Les deux reines, au désespoir d'avoir trouvé dans les deux princes une vertu qui devait les faire rentrer en elles-mêmes, renoncèrent à tous les sentiments de la nature et de mère et concertèrent ensemble de les faire périr. Elles firent accroire à leurs femmes qu'ils avaient entrepris de les forcer. Elles en firent toutes les feintes par leurs larmes, par leurs cris et par les malédictions qu'elles leur donnaient, et se couchèrent dans un même lit, comme si la résistance qu'elles feignirent aussi d'avoir faite les eût réduites aux abois. « Messire, dit d'ici Scheherazade, le jour paraît et m'impose silence. » Elle se tut, et la nuit suivante, elle poursuivit la même histoire et dit au sultan des Indes. 229e nuit. Sire, nous laissâmes hier les deux reines dénaturées dans la résolution détestable de perdre les deux princes leurs fils. Le lendemain, le roi Kamaralzaman, à son retour de la chasse, fut dans un grand étonnement de les trouver couchés ensemble et pleurer, et dans un état qu'elles surent bien contrefaire, qui le toucha de compassion. Il leur demanda avec empressement ce qui leur était arrivé. À cette demande, les dissimulées reines redoublèrent leurs gémissements et leurs sanglots, et après qu'il les eut bien pressés, la reine Badour prit enfin la parole. « Sire, dit-elle, de la juste douleur dont nous sommes affligés, nous ne devrions plus voir le jour après l'outrage que les princes, nos fils, nous ont fait par une brutalité qui n'a pas d'exemple. Par un complot indigne de leur naissance, votre absence leur a donné la hardiesse et l'insolence d'attenter à notre honneur. Que votre majesté nous dispense d'en dire davantage, notre affliction suffira pour lui faire comprendre le reste. » Le roi fit appeler les deux princes, et il leur eût ôté la vie de sa propre main si l'ancien roi Armanos, son beau-père, qui était présent, ne lui en eût retenu le bras. « Mon fils, lui dit-il, que pensez-vous faire ? Voulez-vous ensanglanter vos mains
et votre palais de votre propre sang. Il y a d'autres moyens de les punir, s'il est vrai qu'ils soient criminels. » Il tâcha de l'apaiser, et il le pria de bien examiner s'il était certain qu'ils eussent commis le crime dont on les accusait. Camaralzaman put bien gagner sur lui-même de n'être pas le bourreau de ses propres enfants, mais, après les avoir fait arrêter, il fit venir sur le soir un émir nommé Giondar, qu'il chargea d'aller leur ôter la vie hors de la ville, de tel côté et si loin qu'il lui plairait, et de ne pas revenir qu'il n'exportât leur habit pour marque de l'exécution de l'ordre qu'il lui donnait. Giondar marcha toute la nuit, et le lendemain matin, quand il eut mis pied à terre, il signifia au prince, les larmes aux yeux, l'ordre qu'il avait. « Prince, leur dit-il, cet ordre est bien cruel, et c'est pour moi une mortification des plus sensibles d'avoir été choisi pour en être l'exécuteur. Plût à Dieu que je puisse m'en dispenser. » « Faites votre devoir, reprirent les princes. Nous savons bien que vous n'êtes pas la cause de notre mort. Nous vous la pardonnons de bon cœur. » En disant ces paroles, les princes s'embrassèrent et se dirent le dernier adieu avec tant de tendresse qu'ils furent longtemps sans se séparer. Le prince Assad se mit le premier en état de recevoir le coup de la mort. « Commencez par moi, dit-il, Giondar, que je n'ai pas la douleur de voir mourir mon cher frère Amjiad. » Amjiad s'y opposa, et Giondar ne put s'en verser des larmes, plus qu'auparavant, être témoin de leur contestation, qui marquait combien leur amitié était sincère et parfaite. Ils terminèrent enfin cette déférence réciproque si touchante, et ils prièrent Giondar de les lier ensemble et de les mettre dans la situation la plus commode pour leur donner le coup de la mort en même temps. « Ne refusez pas, ajoutèrent-ils, de donner cette consolation de mourir ensemble à deux frères infortunés qui, jusqu'à leur innocence, n'ont rien eu que de commun depuis qu'ils sont au monde. » Giondar accorda aux deux princes ce qu'ils souhaitaient. Il les lia, et quand il les eut mis dans l'état qu'il crut le plus à son avantage pour ne pas manquer de leur couper la tête d'un seul coup, il leur demanda s'ils avaient quelque chose à lui commander avant de mourir. « Nous ne vous prions que d'une seule chose, répondirent les deux princes, c'est de bien assurer le roi notre père, à votre retour, que nous mourrons innocents, mais que nous ne lui imputons pas l'effusion de notre sang. En effet, nous savons qu'il n'est pas bien informé de la vérité du crime dont nous sommes accusés. » Giondar leur promit qu'il n'y manquerait pas, et en même temps, il tira son sabre. Son cheval, qui était lié à un arbre près de lui, épouvanté de cette action et de l'éclat du sabre, rompit sa bride, s'échappa et se mit à courir de toute sa force par la campagne. C'était un cheval de grand prix, et richement harnaché, que Giondar aurait bien été fâché de perdre. Troublé de cet accident, au lieu de couper la tête au prince, il jeta le sabre et courut après pour le rattraper. Le cheval, qui était vigoureux, fit plusieurs caracoles devant Giondar et il le mena jusqu'à un bois où il se jeta. Giondar lui suivit et le hennissement du cheval éveilla un lion qui dormait. Le lion accourut, et au lieu d'aller au cheval, il vint droit à Giondar dès qu'il l'eut aperçu. Giondar ne songea plus à son cheval. Il fut dans un plus grand embarras pour la conservation de sa vie, en évitant l'attaque du lion, qui ne le perdit pas de vue et qui le suivait de près au travers des arbres. Dans cette extrémité, Dieu ne m'enverrait pas ce châtiment, disait-il en lui-même. Si les princes à qui l'on m'a commandé d'ôter la vie n'étaient pas innocents, et pour mon malheur, je n'ai pas mon sabre pour me défendre. » Pendant l'éloignement de Giondar, les deux princes furent pressés également d'une soif ardente, causée par la frayeur de la mort, nonobstant leur résolution généreuse de subir l'ordre cruel du roi leur père.
le prince Amjiad fit remarquer au prince son frère qu'il n'était pas loin d'une source d'eau et lui proposa de se délier et d'aller boire. « Mon frère, reprit le prince Assad, pour le peu de temps que nous avons encore à vivre, ce n'est pas la peine d'étancher notre soif. Nous la supporterons bien encore quelques moments. » Sans avoir égard à cette remontrance, Amjiad se délia et délia le prince son frère malgré lui. Ils allèrent à la source et après qu'ils se furent rafraîchis, ils entendirent le rugissement du lion et de grands cris dans le bois où le cheval et Giondar étaient entrés. Amjiad prit aussitôt le sabre dont Giondar s'était débarrassé. « Mon frère, dit-il à Assad, courons au secours du malheureux Giondar. Peut-être arriverons-nous assez tôt pour le délivrer du péril où il est. » Les deux princes ne perdirent pas de temps et ils arrivèrent dans le même moment que le lion venait d'abattre Giondar. Le lion, qui vit que le prince Amjiad avançait vers lui, le sabre levé, lâcha sa prise et vint droit à lui avec furie. Le prince le reçut avec intrépidité et lui donna un coup avec tant de force et d'adresse qu'il le fit tomber mort. Dès que Giondar eut connu que c'était eux deux princes à qui il devait la vie, il se jeta à leurs pieds et les remercia de la grande obligation qu'il leur avait, en des termes qui marquèrent sa parfaite reconnaissance. « Prince, leur dit-il en se relevant et en leur baisant les mains, les larmes aux yeux, « Dieu me garde d'attenter à votre vie après le secours si obligeant et si éclatant que vous venez de me donner. Jamais on ne reprochera à l'émir Giondar d'avoir été coupable d'une si grande ingratitude. » « Le service que nous vous avons rendu, reprirent les princes, ne doit pas vous empêcher d'exécuter votre ordre. Reprenons auparavant votre cheval et retournons au lieu où vous nous aviez laissés. » Ils n'eurent pas de peine à reprendre le cheval qui avait passé sa fougue et qui s'était arrêté. Mais quand ils furent de retour près de la source, quelques prières et quelques instances qu'ils fissent, ils ne purent jamais persuader l'émir Giondar de les faire mourir. « La seule chose que je prends la liberté de vous demander, leur dit-il, et que je vous supplie de m'accorder, c'est de vous accommoder, de ce que je puis vous partager de mon habit, de me donner chacun le vôtre, et de vous sauver si loin que le roi votre père n'entende jamais parler de vous. » Les princes furent contraints de se rendre à ce qu'ils voulurent, et, après qu'ils lui eurent donné leur habit l'un et l'autre, et qu'ils se furent couverts de ce qu'il leur donna du sien, l'émir Giondar leur donna ce qu'il avait sur lui d'or et d'argent et prit congé d'eux. Quand l'émir Giondar se fut séparé d'avec les princes, il passa par le bois où il teignit leur habit du sang du lion et continua son chemin jusqu'à la capitale de l'île d'Ébène. À son arrivée, le roi Kamar al-Zaman lui demanda s'il avait été fidèle à exécuter l'ordre qu'il lui avait donné. « Sire, répondit Giondar en lui présentant les habits des deux princes, en voici les témoignages. « Dites-moi, reprit le roi, de quelle manière ils ont reçu le châtiment dont je les ai fait punir ?»« Sire, reprit-il, ils l'ont reçu avec une constance admirable et avec une résignation au décret de Dieu, qui marquait la sincérité avec laquelle ils faisaient profession de leur religion, mais particulièrement avec un grand respect pour votre majesté et avec une soumission inconcevable à leur arrêt de mort. « Nous mourrons innocents, disait-il, mais nous n'en murmurons pas. Nous recevons notre mort de la main de Dieu et nous la pardonnons au roi notre père. Nous savons très bien qu'il n'a pas été bien informé de la vérité. » Kamar al-Zaman, sensiblement touché de ce récit de l'émir Giondar, s'avisa de fouiller dans les poches des habits des deux princes, et il commença par celui d'Amjiad. Il y trouva un billet qu'il ouvrit et qu'il lut. Il n'eut pas plutôt connu que la reine Hayat al-Nefous l'avait écrit, non seulement à son écriture, mais même à un petit peloton de ses cheveux qui était dedans qu'il frémit. Il fouilla ensuite dans celle d'Assad en tremblant.
et le billet de la reine Badour, qu'il y trouva, le frappa d'un étonnement si prompt et si vif qu'il s'évanouit. La sultane Scheherazade, qui s'aperçut à ces derniers mots que le jour paraissait, cessa de parler et garda le silence. Elle reprit la nuit suivante l'histoire et dit au sultan des Indes. 230e nuit. Sire, jamais douleur ne fut égale à celle dont Camaralzaman donna des marques dès qu'il fut revenu de son évanouissement. « Qu'as-tu fait, père barbare ? » s'écria-t-il. « Tu as massacré tes propres enfants, enfants innocents, leur sagesse, leur modestie, leur obéissance, leur soumission à toutes tes volontés, leurs vertus. Ne te parlait-elle pas assez pour leur défense ? Père aveuglé, mérites-tu que la terre te porte après un crime si exécrable ? Je me suis jeté moi-même dans cette abomination, et c'est le châtiment dont Dieu m'afflige pour n'avoir pas persévéré dans l'aversion contre les femmes avec laquelle j'étais née. Je ne laverai pas votre crime dans votre sang, comme vous le méritiez, femme détestable. Non, vous n'êtes pas digne de ma colère, mais que le ciel me confonde si jamais je vous revois. » Le roi Camaralzaman fut très religieux à ne pas contrevenir à son serment. Il fit passer les deux reines le même jour dans un appartement séparé où elles demeurèrent sous bonne garde et de sa vie il n'approcha d'elles. Pendant que le roi Camaralzaman s'affligeait ainsi de la perte des princes ses fils, dont il était lui-même l'auteur par un emportement trop inconsidéré, les deux princes erraient par le désert, en évitant d'approcher les lieux habités et la rencontre de toutes sortes de personnes. Ils ne vivaient que d'herbes et de fruits sauvages, et ne buvaient que de méchantes eaux de pluie qu'ils trouvaient dans des creux de rochers. Pendant la nuit, pour se garder des bêtes féroces, ils dormaient et veillaient tour à tour. Au bout d'un mois, ils arrivèrent au pied d'une montagne affreuse, toute de pierres noires et inaccessible comme il leur paraissait. Ils aperçurent néanmoins un chemin frayé, mais ils le trouvèrent si étroit et si difficile qu'ils n'osèrent hasarder à s'y engager. Dans l'espérance d'en trouver un moins rude, ils continuèrent de côtoyer la montagne et marchèrent pendant 5 jours. Mais la peine qu'ils se donnèrent fut inutile. Ils furent contraints de revenir à ce chemin qu'ils avaient négligé. Ils le trouvèrent si peu praticable qu'ils délibérèrent longtemps avant de s'engager à monter. Ils s'encouragèrent enfin et ils montèrent. Plus les deux princes avançaient, plus il leur semblait que la montagne était haute et escarpée, et ils furent tentés plusieurs fois d'abandonner leur entreprise. Quand l'un était là et que l'autre s'en apercevait, celui-ci s'arrêtait et ils reprenaient haleine ensemble. Quelquefois, ils étaient tous deux si fatigués que les forces leur manquaient. Alors, ils ne songeaient plus à continuer de monter, mais à mourir de fatigue et de lassitude. Quelques moments après, sentant leur force un peu revenue, ils s'animaient et reprenaient leur chemin. Malgré leur diligence, leur courage et leur effort, il ne leur fut pas possible d'arriver au sommet de tout le jour. La nuit les surprit, et le prince Assad se trouva si fatigué et si épuisé de force qu'il demeura tout court. « Mon frère, » dit-il au prince Amjiad, « je n'en puis plus, je vais rendre l'âme. » « Reposons-nous autant qu'il vous plaira, » reprit Amjiad, en s'arrêtant avec lui, « et prenez courage. Vous voyez qu'il ne nous reste plus beaucoup à monter et que la lune nous favorise. » Après une bonne demi-heure de repos, Assad fit un nouvel effort. Ils arrivèrent enfin en haut de la montagne où ils firent encore une pause. Amjiad se leva le premier et en avançant, il vit un arbre à peu de distance. Il alla jusque-là et trouva que c'était un grenadier chargé de grosses grenades et qu'il y avait une fontaine au pied. Il courut annoncer cette bonne nouvelle à Assad et l'amena sous l'arbre près de la fontaine.
Ils se rafraîchirent chacun en mangeant une grenade, après quoi ils s'endormirent. Le lendemain matin, quand les princes furent éveillés, « Allons, mon frère, » dit Amjiad à Assad, « poursuivons notre chemin. Je vois que la montagne est bien plus aisée de ce côté que de l'autre, et nous n'avons qu'à descendre. » Mais Assad était tellement fatigué du jour précédent qu'il ne lui fallut pas moins de 3 jours pour se remettre entièrement. Ils les passèrent en s'entretenant, comme ils avaient déjà fait plusieurs fois, de l'amour désordonné de leur mère qui les avait réduits à un état si déplorable. « Mais, disait-il, si Dieu s'est déclaré pour nous d'une manière si visible, nous devons supporter nos maux avec patience et nous consoler par l'espérance qu'il nous en fera trouver la fin. » Les 3 jours passés, les 2 frères se remirent en chemin, et comme la montagne était de ce côté-là à plusieurs étages de grandes campagnes, ils mirent 5 jours avant d'arriver à la plaine. Ils découvrirent enfin une grande ville avec beaucoup de joie. « Mon frère, dit alors Amjiad à Assad, n'êtes-vous pas de même avis que moi, que vous demeuriez en quelque endroit hors de la ville où je viendrai vous retrouver, pendant que j'irai prendre langue et m'informer comment s'appelle cette ville et en quel pays nous sommes? Et en revenant, j'aurai soin d'apporter des vivres. Il est bon de ne pas y entrer d'abord tous deux, au cas où il y ait du danger à craindre. » Mon frère, répartit Assad, j'approuve fort votre conseil, il est sage et plein de prudence. Mais si l'un de nous deux doit se séparer pour cela, jamais je ne souffrirai que ce soit vous, et vous permettrez que je m'en charge. Quelle douleur ne serait-ce pour moi s'il vous arrivait quelque chose? Mais mon frère, reprit Amjiad, la même chose que vous craignez pour moi, je dois la craindre pour vous. Je vous supplie de me laisser faire et de m'attendre avec patience. Je ne le permettrai jamais, répliqua Assad, et s'il m'arrive quelque chose, j'aurai la consolation de savoir que vous serez en sûreté. Amjiad fut obligé de céder, et il s'arrêta sous des arbres au pied de la montagne. Le prince Assad prit de l'argent dans la bourse dont Amjiad était chargé. Il continua son chemin jusqu'à la ville. Il ne fut pas un peu avancé dans la première rue qu'il joignit un vieillard vénérable, bien mis, et qui avait une canne à la main. Comme il ne douta pas que ce ne fût un homme de distinction et qu'il ne voudrait pas le tromper, il l'aborda. « Seigneur, lui dit-il, je vous supplie de m'enseigner le chemin de la place publique. » Le vieillard regarda le prince en souriant. « Mon fils, lui dit-il, apparemment, vous êtes un étranger. Vous ne me feriez pas cette demande si cela n'était. » « Oui, Seigneur, je suis étranger, reprit Assad. « Soyez le bienvenu, repartit le vieillard. Notre pays est bien honoré de ce qu'un jeune homme bien fait comme vous a pris la peine de le venir voir. Dites-moi quelle affaire avez-vous à la place publique ?»« Seigneur, répliqua Assad, il y a près de 2 mois qu'un frère que j'ai et moi nous sommes partis d'un pays fort éloigné d'ici. Depuis ce temps-là, nous n'avons pas discontinué de marcher, et nous ne faisons que d'arriver aujourd'hui. Mon frère, fatigué d'un si long voyage, est demeuré au pied de la montagne, et je viens chercher des vivres pour lui et pour moi. Mon fils, repartit encore le vieillard, vous êtes venu le plus à propos du monde, et je m'en réjouis pour l'amour de vous et de votre frère. J'ai fait aujourd'hui un grand régal à plusieurs de mes amis, dont il est resté une quantité de mets où personne n'a touché. Venez à moi, je vous donnerai bien à manger, et quand vous aurez fait, je vous donnerai encore pour vous et pour votre frère de quoi vivre plusieurs jours. Ne prenez donc pas la peine d'aller dépenser votre argent à la place, les voyageurs n'en ont jamais trop. Avec cela, pendant que vous mangerez, je vous informerai des particularités de notre ville mieux que personne. Une personne comme moi, qui a passé par toutes les charges les plus honorables avec distinction, ne doit pas les ignorer. Vous devez bien vous réjouir aussi de ce que vous vous êtes adressé à moi plutôt qu'à un autre. Car je vous dirai en passant que tous nos citoyens ne sont pas faits comme moi. Il y en a, je vous assure, de bien méchants.
Venez donc, je veux vous faire connaître la différence qu'il y a entre un honnête homme, comme je le suis, et bien des gens qui se vantent de l'être et qui ne le sont pas. Je vous en suis infiniment obligé, reprit le prince Assad, de la bonne volonté que vous me témoignez. Je me remets entièrement à vous, et je suis prêt d'aller où il vous plaira. » Le vieillard, en continuant de marcher avec Assad à côté de lui, riait en sa barbe, et de crainte qu'Assad ne s'en aperçût, il l'entretenait de plusieurs choses, afin qu'il demeurât dans la bonne opinion qu'il avait conçue pour lui entre autres. « Il faut avouer, lui disait-il, que votre bonheur est grand de vous être adressé à moi plutôt qu'à un autre. Je loue Dieu de ce que vous m'avez rencontré. Vous saurez pourquoi je vous dis cela quand vous serez chez moi. » Le vieillard arriva enfin à sa maison et introduisit Assad dans une grande salle où il vit 40 vieillards qui faisaient un cercle autour d'un feu allumé qu'ils adoraient. À ce spectacle, le prince Assad n'eut pas moins d'horreur de voir des hommes assez dépourvus de bon sens pour rendre leur culte à la créature préférablement au créateur, que de frayeur de se voir trompé et de se trouver dans un lieu si abominable. Pendant qu'Assad était immobile de l'étonnement où il était, le rusé vieillard salua les 40 vieillards. « Dévots adorateurs du feu, leur dit-il, voici un heureux jour pour nous. Où est Ghazban ? Ajouta-t-il, qu'on le fasse venir. » À ces paroles prononcées assez haut, un noir qui les entendit de dessous la salle parut. Et ce noir, qui était Ghazban, n'eut pas plutôt aperçu le désolé Assad qu'il comprit pourquoi il avait été appelé. Il courut à lui, le jeta par terre d'un soufflet qu'il lui donna et le lia par les bras avec une diligence merveilleuse. Quand il eut achevé, « Mène-le là-bas, » lui commanda le vieillard, « et ne manque pas de dire à mes filles Bostan et Kavam de lui bien donner la bastonnade chaque jour, avec un pain le matin et un autre le soir pour toute nourriture. C'en est assez pour le faire vivre jusqu'au départ du vaisseau pour la mer bleue et pour la montagne du feu. Nous en ferons un sacrifice agréable à notre divinité. » La sultane Scheherazade ne passa pas plus outre pour cette nuit, à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de l'histoire des princes Amjiad et Assad. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire. À très bientôt.